Bonjour et bienvenue sur une fonction ou un outil d'Excel en 3 minutes ou moins. Au menu du jour, on s'intéresse à une fonction très polyvalente, une fonction que je classifierais dans les fonctions de recherche, qui part d'une cellule de référence, donc une adresse, et puis qui décale tout simplement. On va décaler de 5 cellules vers le bas, par exemple, 1, 2, 3, 4, 5, et puis deux colonnes vers la droite, 1, 2, 3. 1, 2, et puis on obtient la valeur qui se trouve 5 cellules en dessous d'une référence qu'on lui a donnée et 2 cellules à droite. Et donc, en fait, avec ça, on peut retrouver des données, notamment grâce à la combinaison entre décalé et équive. Je ne vais pas m'étendre sur la fonction équive, il y a une vidéo dessus, je vous invite à la regarder pour plus de détails. C'est vraiment une fonction que je considère importante parce que elle est très efficace quand il s'agit de faire du support d'autres fonctions qui vont trouver des résultats. Alors, la référence, c'est la cellule de départ. Ça peut être n'importe laquelle. Bien sûr, il y a des cellules qui seront meilleures que d'autres, mais ça peut réellement être n'importe laquelle. Dans cet exemple, je vais choisir ici. On peut choisir par exemple cette cellule-là, mais il va falloir adapter le calcul du décalage pour atterrir sur la bonne cellule. Et du coup, ça peut compliquer les choses. Ce n'est pas impossible, mais ce n'est pas le mieux. Donc, je choisis celui-là. Parce que c'est la cellule qui est la plus à même de me donner plus fiablement le résultat final. Je décale de combien de lignes pour avoir le client 5? Ben, je vais décaler de 5 lignes. Et pour avoir son CA, eh bien, je vais décaler de 2 colonnes. Donc c'est 2 crans à droite et 5 crans en dessous. Et ensuite, mettons que je choisis de mettre une hauteur et une largeur de 1. C'est des arguments facultatifs, par défaut c'est 1, mais je le précise quand même juste pour l'exemple. Et ici j'obtiens bien 95 793, ce qui est réellement le CA du client 5. Mais ici, si je mettais 2 et 2 par exemple, de hauteur et de largeur, eh bien j'obtiens au final, bon. Là, c'est pas très parlant, mais mettons, si je change, je veux plus le CHT, je veux le type. Donc, je veux entreprise et le CHT, donc qui sont là. Eh bien, je peux. Donc, au final, ce qu'on en conclut, c'est que en fait, quand j'augmente la hauteur ou la largeur, il va chercher autour de la cellule cible, c'est-à-dire la cellule résultat. Mais par contre, quand je dis autour, ça veut dire soit en dessous, donc là c'est bien 80 000, soit à droite. Donc la hauteur, c'est à partir de la première cellule, de combien vers la droite et ou vers le bas, la hauteur et la largeur, est-ce qu'on prend? Donc là, si on revient à notre exemple et que je mets juste 1 de largeur, j'ai plus que entreprise, entreprise, et en changeant, je vais mettre le CHT, ça me permet aussi, si je mets ça dans une fonction somme, eh bien, j'ai le total des deux valeurs. Et donc, une fonction au final très polyvalente, où eh bien, je peux et faire des calculs et retrouver des valeurs texte vraiment hyper polyvalentes. Voilà pour la fonction décalée, on se retrouve dans une autre vidéo pour une autre fonction, bien un outil d'Excel.